Hey yo à toutes et tous, salut. Coucou Bloucou sur le chat, salut. Hello. On s'amuse bien. On s'amusera mieux avec Assassin's Creed. Alors c'est parti, la musique. C'est un truc du genre Siamese the Wolf. Voilà. Et du coup, bah, là on va retrouver l'aigle et Dio. Aucun sens. Mais donc on est à l'épisode 6, ma foi. Et c'est quand même foufou. On va dérouler tranquillou. Moi je grignote là, j'étais en train de manger une glace. Donc voilà, et ok. On va laisser passer ça tranquille. Le son du jeu va revenir. Attention, une équipe de confession multiculturelle a travaillé sur ce truc, hein, il faut le prendre au sérieux, d'accord. Voilà. Mais vraiment la musique est super cool. Ah, ok. C'est bon, le temps de chargement est ok. Voyons. Ouais, là voilà. Ok. On y est. Voilà, parfait. Let's go, Eagle! Alors oui, on est rentré dans un bâtiment dans Venise. Et voilà, c'est tout. On va l'explorer maintenant ensemble. C'était la bonne surprise. C'était un super checkpoint. Donc allons voir. Alors. Ok, pas ça. Allô? Allô? Ben, si je tombe, je pourrais prendre ce raccourci. Coucou. Désolé, il y a des intermittences dans mon gameplay. Il y a des petites pauses parce que j'ai fini de bouffer, je prends juste à boire et puis là on est vraiment parti. Allez. Non. T'as mangé, c'est bon. Je sais, mais non. Ah.
D'accord, ouais, bah pas de problème. Coucou Carla, du coup, voilà ce que je fais de ma vie. Je ne gagne pas encore d'argent avec, mais je crois que ça n'arrivera jamais de toute façon. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Mais voilà. On s'amuse bien. Mais ici, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est Santa Maria de quelque chose, très probablement. Mais là, comme ça, je. En tout cas, on suit la route et toujours pas d'accident. Hein. C'est plutôt bien. Et coucou, Bob. Si, si, la playlist est rose, elle va bien. Mais t'inquiète, on est bien. Ouais, non, mais voilà, enfin, je sais qu'au niveau quali, moi je me fais plaisir et puis, enfin, vous le savez bien, je. Enfin, je suis à peu près persuadé de la malédiction que ça devient quand tu commences à foutre de l'argent dessus, enfin, la malédiction. Merde, il va falloir que je roule, putain, alors là. Ballot. Bon, on va déjà avancer ça et regardez, j'ai ce qu'il faut. Là, j'ai vraiment ce qu'il faut. On la met puissance 66. Pour être chaud dans l'église. Ok. Là-haut, c'est ça? C'est fou, tous ces petits. Ils ont vraiment prévu chaque jump, quoi. C'est quand même ahurissant. Bon, pas d'accident. Ouais, cool. Ils te le refont deux fois d'affilée, les mêmes. Et du coup, bah voilà, c'est tout. C'est fini. J'ai l'impression. On a déjà atteint la zone. Et pas de truc avec les Templiers pour le moment, en tout cas. En tout cas, c'est le trésor des Templiers, quoi, disons. Mais pas de scène cinématique ou quoi. C'est bien. Oh putain. Voilà. Du coup, j'ai envie de dire mission accomplie. Pardon. Ah ouais, du temps pour rouler. Parfait, tu gères, man. Je les actualise de toute façon quasiment à chaque fois que je les rebalance. Enfin, assez régulièrement. Il a l'air bien sûr de lui. C'est les conducteurs et tout qui font ça, je pense. Enfin, c'est vraiment la machinerie, non? Je sais pas. Ouais, non, moi non plus. Mais genre, c'est.
Je sais pas s'il y a des trucs qui sont là pour faire du son, pour faire ce son, tu vois, genre en mode c'est bon, il y a le bip, du coup c'est. Parce qu'il y a tellement de sons différents en fait, c'est ça qui est ahurissant, c'est ça qui est dingue. C'est quand si tu penses. Ça fait genre fréquence. Ça là, je sais. Puis ça, puis il y a de la neige. Puis à la fin, c'est de la neige. On dirait, voilà, tu sais, une radio quoi, un test de fréquence. Ouais, c'est super riche. Il y a plein de trucs différents. c'est. Moi, je trouve ton. Encore plus moche. Mais bien dans le moche, tu vois. Bon, là, les gens sont pas très friendly ici. Ah, on est à Venise, en tout cas, ça fait trop du bien, c'est méga beau. La colorimétrie est vraiment bien différente, c'est assez cool. Enfin, relativement différente. Ce côté plus froid, finalement. Non, je suis con, je vais. Shame! 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 Tu parles de moi là? Ou je te parle de moi là? Les pigeons. Maintenant il parle de complètement autre chose à chaque fois, c'est tellement drôle. J'ai failli le choper de tout en haut, le mec, n'empêche. Il est pas assez rapide. Merde, il est pas mort. On va la voir. Ah non, merde, non. Je voulais que ce soit stylé, putain, va te faire enculer. Va te faire enculer. C'était stylé. Putain, pourquoi tu grimpes pas là? Mais vas-y, mais suce mes boules. Oh là là, mais oh là là, mais catastrophe. Mais catastrophe. Putain. Oh là. 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 Imbécile, poussez-vous. Où est ta panière, sale rat? Et c'est la lapidation. Bravo, hein. Ah mais bravo, hein. Franchement, putain, mais... Ok. Ces remèdes traditionnels sont les salut monsieur. De la... D'accord, je suis apparemment très bien fourni. Et je tiens à dire que le mec meurt. Parce que je suis un assassin. Il se trouve que ce bruit, yes, trop bien. Mais je me demande si j'ai pas entendu l'explication déjà. Enfin genre, pas l'explication, mais au moins un mot. C'est ultra lent, cette saloperie de merde.
Franchement, il faudrait un remake d'Assassin's Creed 2. Sans déconner, vous pensez pas? Un remake avec les outils actuels, mais du 2 spécifiquement. Bon, ils vont faire du 1 déjà, ça c'est clair. Et après du 2. D'ici peut-être 5 ans, on aura ça. Les vieux modèles 56K, oui, oui. Non, c'est pas le Minitel, non. Exact. C'est... Non, non, c'est les modems 56K pour Internet. C'est les premiers modems Internet. Je sais pas. Non, non, mais le Minitel, de toute façon, c'est autre chose. Non, non. Je peux pas grimper là. On dirait bien, c'est assez clair. Il y a plein de gardes ici, hein. Allez, lui là-bas je l'attrape, et puis après on fait la prochaine mission. Il est passé où ? Il est où le monsieur ? Ok, bah, je l'ai pas eu du tout. Par contre, je peux aller vers la nouvelle mission. Ah oui. Oh merde, le coffre plein. Fuck. Il faut que j'aille à la villa vite fait, avant la mission. Ok, ça veut dire, ici il y a un contrat. Ici il y a vers la Romagne Forli. Et je n'ai pas encore débloqué de point de déplacement rapide. Ah si, là. Putain. Voilà, c'est le seul choix où aller. Il faut que j'aille là-bas le plus vite possible. Oh là là, et c'est Saint-Marc là. Avec le campanile. D'accord, ok. Ok. Deux fois, putain, c'est tellement l'enfer quand même. Allez, on va récupérer le flouze.
Voilà, en tout cas, c'est bon. C'était chill, c'était cool. Cap sans effet à cet endroit. De toute manière, je suis le roi ici. La villa, ben on a le tailleur surtout qui est au top. Et voilà, lui, c'est, il a les couleurs de la Toscane, mais on peut améliorer, ouais. On va récupérer le fric et on va pouvoir en faire quelque chose. Voilà, 13 000 boules, merci. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? Excuse-moi, en fait, mais... Non. À bientôt, Ezio. Buongiorno. Okay. Salute, c'est Ezio. Voulez-vous consulter les tarifs ? Ok. Marchandeur, machin, bidule. Et alors voilà, maintenant on peut payer pour les maisons de passe, la caserne, la guilde. Comme ça on a les... Ça va de toute manière donner du retour sur investissement de dingue, je pense. Voilà. Bon, ça fait quand même chéro. Voilà, et tous les autres sont niveau 1. Très bien, on laisse comme bon ça voyage. Pour l'instant. Parce que dans tous les cas, il y a de l'équipement à acheter. Voilà. Maintenant, ça va jusqu'à 19 000. Voulez-vous consulter les tarifs ? Lol. Je propose des articles de ferronnerie exceptionnels. San, tu peux bouger de là, s'il te plaît ? Allez, casse-toi. Armure. Voilà, du coup, nous, on est en métal. On a le plastron, par contre, on n'a pas les épaules. Et on n'aura que l'un des deux, là. Je vais attendre un peu. Ok, je prendrai plus tard. Revenez me voir souvent. Super, bah, je pense qu'on est quand même plutôt bien. On va retourner vite fait à Venise. J'aurais pu... ouais non, j'ai récupéré le cash et bien dépensé. J'aurais pu attendre une autre session de cash, mais on va continuer à Venise plutôt. Hop là, merde, San Polo. Ah, tu peux me faire... à la guilde des voleurs. Ok, je savais pas que j'avais débloqué ce point, mais c'est cool. Ok. Wow. On est sur un quai à Venise, c'est incroyable. La guilde des voleurs. Ok, c'était moche, d'accord, on repassera. Hein. Ah oui, bah y a plein de voleurs. Tu crois qu'ils ont souvent une descente de flics? Comment échapper à un homme aussi doué?
C'est trop drôle. Est-ce que ça existait, des guildes de voleurs? Je suis là pour vous soigner. Hein? Ça, c'est important à savoir. Et peut-être que j'ai eu là accès à ça parce que, justement... Peut-être que j'ai eu accès à ce bâtiment-là, un peu spécial, comme dans les autres villes, parce que j'ai amené des voleurs chez moi. Du coup, j'ai des copains. Ça, j'ai rien fait. Vous êtes prêts, les gars? J'ai toujours détesté ces... Tu sais, les arbres... J'arrive pas à finir mes taunts. Bon. C'est bon ? Voilà, putain. Non mais... Ce meurtre dans la rue, là, c'est la fin. Ouais. Santa Croce. Bon, on va faire une mission ou pas, la bordel de merde? N'empêche, il y a des rues piétonnes hein, quand même ici, c'est fou. Qui font un barrage. Merde, pardon. Excusez-moi. Eux, ils étaient chauds, mais en fait, non. Thank you.
Mais putain, mais... Oh putain, ce bordel, il a poussé le mec qui m'a poussé moi. Mais qui est après qui, là? Je comprends plus rien. Allô? Il s'est échappé, mais qui? Le mec? Moi, je le vois pas, il est où? Putain, mais vous lui courriez après, là. Quoi? Attends, mais qui me cherche? Qui me parle? Ah! Oh, il y a quelqu'un qui est mort. Oh merde! Ah mais il est là! Il est là le mec? Ah il est là! Il est là-haut! Il est sur le pont! C'est incroyable, c'est un failliplay! Mon dieu! Attends mais il est là! Putain mais il vient me voir! Super! Voilà! D'accord, oui. Oui, oui. Oh! Entraînement. Hop. Voilà. On va faire un peu le plein là. Comment j'ai fait? Tu vois, c'est l'assassin qui se loupe trop de ouf, c'est trop moche. Ouais, il voulait vraiment se faire choper, ouais. il venait trop devant moi. Descends, hey, tu n'as pas là-bas. Ne le laissez pas s'enfuir. Voilà, hein, écoute. Pareil avec lui, là, regarde. Non, mais putain, mais quoi? Mais what the fucking shit? Putain, mais voilà. Ouais, deux innocents, mais c'est pas Faboulette, je m'en veux pas, hein. Moi j'ai rien fait pour ça, là. Ça a trop déconné de ouf. Ah, d'accord. Ok, je retiens, ça marche. Ça marche, ouais. On a l'impression qu'en ville, il n'y a que ces mecs qui sont là à donner des ordres. Qui racontent la vie. San Giacomo di Rialto. Voilà.
Ah. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cet écran, putain, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il y a Gendar qui Rasputin sur la même map là, what? Quel est le rapport entre Rasputin et ce mec? Putain. Ah! Qui je tue? Ah mais non, le feu! Bah c'est elle qui brûle dans le feu. Ouais. Et ça là, c'est quoi? C'est Templier. Oh! Ah bah lui, il est venu tuer lui, voilà. Le tsar était important. Il ne pouvait plus contrôler ses sujets. Ah, révolution. C'est le tsar, ouais. D'accord. Ok. Putain. Moi, franchement, pour garder mon ordre... Oh, c'est Eve. On y va? Ouais, trop. Ça, on le fera, ouais. Ok. Je vous souffle dessus. Bon, ça va, j'arrache juste les affiches avec ma photo. J'ai le droit à la vie privée quand même. Putain. Que diable! C'est pas gentil, Moloko. Oui, mais sauf que là... Il n'a rien à faire là-haut, là-bas, vite. Je ne dois pas le laisser filer. Là-bas, il est là-bas. Non. Espèce d'enculé. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Putain, mais allez vous faire foutre. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? What? 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 Non mais oh là là! C'est là que tu vois les automatismes que j'ai sur un peu sur Odyssée.
sont quand même, il y a des, enfin il y a des trucs qui sont tellement plus simples maintenant. C'était la galère. Hein. Vraiment un remake, ça ferait tellement du bien à la série Assassin's Creed. Après, c'est ça le truc, quoi, c'est que c'est encore pigeon pognon, mes couilles. Mais bon. Va-t'en, chien. Il est devenu fou. Quand on exécute un criminel, c'est très festif. On attache même ses intestins au bœuf qui ouvre la parade. Ok. Un vrai remake, ouais. Avec, enfin, ouais, puis que ce soit une putain de claque graphique de dingo. De toute façon, c'est ce qui attend pas mal Assassin's Creed aussi, je pense. Mais bon, ils trouveront toujours un moyen de faire à moindre frais, à moindre énergie, à moindre implication. Ubisoft, ils trouveront toujours. Mais ça peut quand même être sympa. En rajoutant de la fluidité. Casse-toi. Encore un fou qui s'est évadé. Hey, on va la voir. Saisissez-le, vite. Allez, vous lui. Et rappelez-vous ce qu'on vous a appris. Putain. Oui, bien. On y est, je crois. Comment faire pour entrer? Je pourrais escalader. Non, mauvaise idée. Si je tombe, je me tue. Je dois trouver autre chose. C'est marrant, c'était là où on voulait aller. Ah ben voilà, les voleurs. Encore cette meuf. Et elle grimpe, elle fait un saut en grimpant. Et on va la prendre. Super, c'est grâce à eux. Génial pour la mobilité, ça va être top. Le fameux tu saut. Mais je te reconnais. Il faut partir. Mon enfant, il te reconnaît. Après m'avoir bousculé. Moi, tu m'as bousculé tout à l'heure. Hein, fais attention. Mon petit. Vers l'eau. Si je peux me permettre, c'est un peu vague. Ah oui, pardon.
Lol. La meuf est pas censée avoir une flèche dans la jambe là, si, ouais. Putain, mais ta gueule. Moi aussi, je vais me débrouiller tout seul sans le jeu un jour, hein, tu sais. Putain. Voilà. Quelle idée de foutre la même touche pour ramasser le corps et une arme. Je vais couper la gorge avec une masse. Oh putain, mais ça ne casse-toi, tu commences à me saouler, ok? Qu'est-ce que tu attends? Ben, je sais pas, c'est ça, le jeu, toi là, putain, tout me saoule là-haut. Tout me saoule. Tout me saoule, putain, cabron. Oh merde, il est gros lui. Un gros poisson. Ah, hey, hey, c'est moi qui t'ai eu. Ah non, allô? Tiens, prends ça là. Plutôt. Aïe. Pardon. Regardez, messieurs, dames, c'est comme ça qu'on fait. En bas et en haut. C'est parti. Non mais c'est bon, je t'ai vu. Je t'ai déjà vu que tu tenais debout. Oh putain, tu me saoules. Moi je voulais utiliser cette hache là, je l'ai trimballée jusque là. Ah oui, mais avec la... Ah bah voilà, oui, dans la cutscene. Ah mais même avec... Quel est ton nom déjà?
Rosa. Rosa. Enchantée, Rosa. Je suis Ezio. Je sais. Comment ça, tu sais? Oh, plus tard. Ce n'est vraiment pas le moment de bavarder. Tu es aveugle. Tu es aveugle? Bonjour les voleurs, suivez-moi. Moi je suis le vieil homme, toi mademoiselle tu es ma flûte et eux ce sont les rats. Allez, approchez. Hugo. Hugo. Est-ce que ça va? Rosa est blessée. Hugo. Hugo. Par ici. Nous allons continuer en bateau. Doucement. Partez, je m'occupe des gardes. Non mais attends, je roule. Putain, tu saoules. Il est là. Trop stylé. Attrapez-le. Culé, Ezio. Enculé, Ezio. Vas-y, enculé. La musique très Prince of Persia, n'est-ce pas? Vous allez où maintenant? Les gars, continuez tout droit. C'est stylé comme mission quand même là, c'est bien. Le voilà, arrêtez de poster sur les toits. Fais quelque chose, vite. Le voilà. C'est bon? Bim. Le voilà, là-bas. Le voilà, c'est là. Arrêtez-le. Il me tire dessus. Quoi? Ok mec. Si tu veux.
très bien. Antonio. Bon sang, Hugo, qu'est-ce qu'il dit ? Mais qui est-il pour me donner des ordres ? Oh putain, c'est le doubleur de Dexter ! Oh mon dieu. Aïe aïe aïe. Alors lui, je te le grille à 3 km à chaque fois. Il voit pas que je saigne. Pardon. Oh ! Le vide, quoi ? Mais putain, mais quoi ? T'allais dire quoi là ? Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Attends, en fait, Ezio, je m'en fous. Je... Voilà. Deux secondes. Par ici ! Oui, Dexter. Oui, Dex. Oui. Oui, oui, oui. Allez, vite ! Oui, Dex. Aidez-nous. Où est Antonio ? Qu'est-ce que vous attendez ? Il faut l'allonger ! Allonge-la ici. Pardon. Excusez-moi. Il y a tellement de bruit, bordel. Rosa, qui a-t-il ? Oh, c'est un mec. Tire-moi, maudite flèche. Il est trop car-designé, c'est un mec important. Il va nous la faire boire du café. La flèche a traversé la cuisse. Rien de bien grave. Extrait-la ! Rosa, si je fais ça, maintenant ! Comme tu veux. Tenez-la. Elle accouche ? Je vois la tête, oui. Je lui tourne le cou. Ah oui, j'adore. Finish him. Désolé, ma belle. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Je vais t'en donner des raisons d'être désolé. Va chercher Bianca. Allez, vite. Va chercher, allez, allez. Il faut que tu m'aides. Comment ? Donne-moi un linge propre. Quand je retire ma main, appuie fort sur la blessure. Tu es prêt ? Vas-y. C'est pas vrai, je vais le faire. Nous nous sommes trompés sur ton compte, à Auditore. Eh bien, elle a la peau dure. Allez, emmenez Rosa à l'intérieur. Bianca va la soigner. Ça va aller. Je l'ai vu, hein, le QTE, mais... ça change rien. Je vais peut-être gagner un peu moins d'argent. Non. Merci. Non. Rosa est ce que j'ai de plus cher. Si je la perdais... Ça change rien. J'ai toujours eu un faible pour les jolies femmes en détresse. Oui. Ne sois pas surpris. Nous savons tout sur toi, Ezio. À en croire tes exploits dans toute la Toscane, tu es efficace, quoique un peu... impulsif. Alors tu sais pourquoi je suis ici. Je le devine. Quand tu auras une minute, rejoins-moi dans mon bureau. Nous bavarderons un peu. Bavardere en italien, ça veut dire que t'es au-dessus, je suis au-dessous. Alors, donc. Super, guilde des assassins, allez, c'est parti. Prego. Prego. Quelque chose ? Des biscuits ? Du café ? Du café ? C'est une infusion délicieuse que m'a rapporté un marchand turc. Tiens, goûte-moi ça. Voilà. Lui, je prends. T'as les cuiteux sauvages là, ils sont incroyables. Un peu trop amer à mon goût. Je dirais qu'il manque quelque chose. Du sucre. Je ne sais pas, une cuillerée de sucre peut-être. Ou du lait. Où les goûts sont dans la nature, comme on dit. Mon dieu, mais quel visionnaire. C'est Ezio qui a inventé le café au lait. Quel américain. Il a inventé. Il est celui qui a fondé Starbucks. Putain. C'est à cause de lui qu'on a des Starbucks partout. Nous allons devoir nous relever. Mais Emilio profitera bizarre, sûrement de la trêve pour renforcer ses défenses. Mais aussi pour continuer d'opprimer tout le quartier. Ce combat n'est pas le tien. Mais nous avons le même but. Rassemblez vos forces et lancez une nouvelle attaque. Agir à la hâte nous infligerait d'autres pertes. Non. Il nous faut des armes et un plan d'action. Je peux difficilement me permettre d'attendre.
C'est là que je veux en venir. Rallie notre cause. Mes hommes se remettent lentement de leurs blessures. Trouve-les, ils te diront quoi faire. Plus vite tu les aideras, plus vite nous passerons à l'attaque. Molto bene, Antonio. J'accepte. C'est la bonne décision. D'accord. Très bien. Là-haut. Putain, mais l'ombre là. Non. Trop beau celui-là. Trois vols. Avec les meurtres, personne n'a rien remarqué. Les gens voient uniquement ce qu'on les laisse voir. Ils ne voient qu'à travers les yeux de l'organisation. Pardon. Et donc, oui. non, désolé, je vais répondre à un texto. Ah, Houdini. T'as dit là ? Oh là là, mais je comprends rien, c'est vraiment ambiance ultra chelou. Alors le code. D'accord, 8, ça équivaut à 8. 6 à 6. Et 7 à 7. Non ? Égale 1, je vois dans le truc là. C'est vraiment n'importe quoi, oui. Putain, on voit que dalle. Bon, ben, je sais pas, on va dire un truc du genre. Genre victoire, ça scratch, c'est ça? Ah bah tiens, l'Italie de Hitman qui s'installe. Toi, tu vas m'apprendre à grimper ? Ça a l'air d'aller mieux. Est-ce que tu te plais à Venise ? L'endroit est charmant, mais l'odeur est insupportable. C'est écœurant. Alors ? L'odeur. Quel bon vent t'amène ? En fait, j'espérais que tu pourrais... Bon vent, ouais. Bien, t'as compris ? Ça pue, le bon vent. J'aimerais apprendre à grimper comme toi. Ah. Ouais. D'accord, je vais te montrer. Vraiment, par contre. Je vais plutôt demander à Franco. C'est top. Franco ! Allez, ramène tes fesses !
Montre à Ezio comment grimper en haut de cet échafaudage. Avant tout, commence par te suspendre. Et saute pour atteindre le plus avec ta main. Et puis hisse-toi. Bien. Tu as compris? Ouais, je crois. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. À toi de jouer. Enfin, ouais. Saute, Ezio! Attrape le rebord au plus haut. Alors, le verdict? J'ai déjà vu mieux. Arrête, je t'en prie, tu vas finir par me briser. Avec le dans le révélation, avec le grappin, enfin la lame à grappin là. Rejoins-moi devant l'église des Frari. L'église des prairies, quoi? Ouais, ben bref, c'est dans Révélation, c'est encore plus cool, ça fait un double truc comme ça. Genre, il se hisse, il s'accroche avec le sa lame, et ça le projette super haut, c'était vachement sympa. Oh putain, c'était vachement sympa. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, je vais pouvoir grimper ici. Bon, ici, je pouvais apparemment déjà. Je peux le faire d'ici, là. Non. Muy bien, boulot. Eh ben, merci encore d'avoir été là. Et puis, passe une très bonne semaine. Tu me dis quand t'es un moment. Mais sinon, on va se prévoir après sur plus loin. Du coup, je te dis quand je passe en France, si t'es OP pour quelques jours à Lyon ou quoi. Ou si tu as des déplacements à Toulouse ou quoi, dis-moi. Voilà. N'hésite pas à me dire si t'as des déplacements quelconques sur lesquels je pourrais éventuellement me greffer. À partir de mi-juillet, plutôt août en fait, en réalité du coup. Mais voili voilou. Donc des bisous et à la prochaine. Hop. Et puis ouais voilà, dans tous les cas, y a Assassin's Creed qui va quand même continuer pendant 2 semaines là, donc n'importe quand, avant que je parte en Italie, je vais continuer. Donc il y aura peut-être des moments où se greffer. Tu vois sur Skype. Super musique, bordel. Yes, à bientôt.
Ah, je l'avais, putain. Putain, le saut était à peu près où je voulais et c'est... J'avais très envie de tenter ce raccrochage là. Il y avait un espèce de petit rebord là. J'y ai vraiment cru. Bonjour. Ah, je peux l'acheter. Parfait. Pas de la fausse monnaie, j'espère. Bah non, on va te faire foutre. Voilà, donc j'ai le haut vraiment argenté là. C'est stylé. Et la cape est sans effet ici. Du coup. Je vais garder la cape ordinaire. Et B. Quoi ça? Ah. Voilà. En fait. Voilà, on est plus stylé, je trouve. Il existe des... Alors, on peut en apprendre davantage en allant à l'intérieur. C'est parti. Ah, Ezio. Je suis content de te revoir. J'aurais bien besoin de tes lumières. Bien sûr. En quoi puis-je t'aider? Emilio a dressé plusieurs de mes hommes contre moi. Je parie qu'il les a corrompus. Oui. Nous ne pouvons pas frapper avec des traîtres dans nos rangs. Ils sont quelque part dans ce quartier. Ils nous espionnent et rapportent tout à Emilio. Plus pour très longtemps, crois-moi. Ah, c'est parti donc. Merde, putain, on va y arriver. Tu n'as rien à faire là-haut, c'est interdit. Hey, tu n'as pas le droit d'aller là-haut. Va-t'en. Ma foi,
Oh merde. Non mais putain! Mais tu te fous de ma gueule, le mec est là quoi! Putain, sans déconner quoi! Se balade dans les rues, dans les canaux. Saisissez-le! Vous allez me laisser, oui! C'est cool. Voilà, c'est cette église là en face où je pouvais pas. Super.
Tu n'iras nulle part. Ce n'est pas dangereux. Escalader un échafaudage, c'est bien. Et que dirais-tu d'un vrai défi? Le haut de cette tour, c'est ça? Je reviens tout de suite. Putain, mais c'est ce que je viens de faire, là, de grimper ici. Bon. On commence, donc. On vient de débloquer un nouveau saut. C'est reparti, hein. Alors ? Tu t'en sors très bien, je n'ai plus rien à t'apprendre. Je vais prévenir Antonio. Termine tes autres tâches. On y est presque. Ça y est, on a la totale en métal. Yeah. Envoyez-nous vos amis. Envoyez-nous vos amis. Il a accompli de glorieux exploits. Tous nous sauver. Qu'il exécute ceux qui nous ont. Aucun respect pour les artistes. Oh, la guitare. Piou. La guitare, je te l'ai envoyée. Sont si bas que vous n'en croyez.
Allons voir Leonardo. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Vers le haut, ensuite on inverse le tout, et voilà. Ah d'accord. Ok, en fait, il... D'accord, il traduit genre le codex... Content de te revoir, Hugo. Que se passe-t-il? Toi et Rosa, vous vous êtes échappés du palais. Les autres n'ont pas eu cette chance. Emilio les a capturés. Ils vont être exécutés. Sais-tu où ils sont détenus? Quelque part dans ce quartier. Mais je n'en sais pas plus. Tu vas devoir les trouver. Aie confiance, je vais sortir tes frères de là. Ah, d'accord. Tout d'un coup, il fait nuit. Ça a changé la météo. La météo est super spéciale du coup dans ce jeu parce qu'elle est pas dynamique. À l'époque, météo dynamique, c'était genre... Oh, bah, il y a... Là-bas ! Ça veut dire qu'elle change... Là, ici? Oui, oui, c'est de temps en temps des triggers qui le font changer. Des missions, je sais pas trop, j'avoue qu'ici je sais pas, mais... T'as des jeux, c'est complètement scripté. Et les niveaux par lesquels tu passes sont jour-nuit. Ok. Du coup, faut aller dans ces directions-là. Moi, j'ai envie de faire le ouf, encore une fois. Excusez-moi. Ok. Donc, il y en a un premier ici. Avec un truc en bas, là. Ah bah, c'est lui. Tu vas mourir! Ok, cassez-vous maintenant. Et je pense qu'on va l'apprendre le truc pour lancer les armes. Une progression tout du long du jeu, ils ont... Venez avec moi. Ok, il faut ramener... Ah non, mais il y a des mecs là, attendez, j'ai envie de les tuer avec la lance. Elle est où la lance? Ah. Ayez pitié de nous, protégez-nous du mal. Ouais. Ah, c'est parce qu'il y a la guilde des voleurs, hein, donc uniforme. Hein. Faut être réglé, hein. Ne le laissez pas s'enfuir, voilà. Putain, mais allez, j'avais réussi. Par ici, allons-y. Pitié, je prends. Oui, d'accord. Je vais partir. Ça coche. Ok, pour plus de poison. Et sinon, voilà, l'azur, je pense qu'avec l'armure d'argent, là, ça va être... Yeah. Bon sang, pas question que je reste ici. Yeah. On est méga stylé.
Justice, je ne fais que passer. Justice, je ne fais pas son nom qu'il vient à nous. On attend. Nous allons danser, chanter. Je rentre chez moi. Là-bas, c'est lui. Capturez-le. Fichez-moi la paix. Suffit. Enfin. Restez près de moi. Ah bah zut, on l'a déjà fait ici. Avec moi. Ok, il faut que je ramène tous ces groupes, ça fait un paquet. Que vous arriverez à presser la... C'est de la folie. Ils ont tous perdu la tête. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. N'oubliez pas ce qu'on a fait. Fiche la paix, sa cloche. Ayez pitié de moi. Prenez-le, allez, il ne verra pas. Joie filet. Presto. Presto. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Libérez-moi! Santa Croce! Ayez pitié de moi! Messire, ne faites pas de mal! C'est laquelle la plus proche? C'est. Putain. Je sais pas ce qu'il a vu, mais... Lui, quand tu nous as portiné longtemps. Par ici. Ouais. Venez, venez, ne soyez pas timide. Laisse-le dans la chambre. Alors. Voyons voir. Ça
assez loin, hein, où il faut les ramener, bordel. Tu n'es pas à ta place. Allez, descends. Le voilà. Tu n'iras là-bas. Pas. Lâchez-moi. Venez. Au point jaune. Dès là-bas, tu ne peux pas fuir. Suivez-moi. En avant. Incroyable du cul. Ok, dernier point pour aller chercher les voleurs. Oh, ça c'est un coffre à mon avis juteux. Bravo. Il a trop géré quoi. Ah, le mec est là. Énorme. Bon, alors tiens, on y va. Oui, c'est moi, c'est lui. Chercher l'unité, mais en fait, il faut tout contrôler. Vos crimes cesseront bientôt. Le peuple se défendra. Merde. Il y avait une page du codex là. Et marcher appartiennent au peuple. Emilio prétend chercher l'unité, mais en fait, il veut tout contrôler. Arrêtez-le. Vos crimes cesseront bientôt. Le peuple se défendra. Codex et tous les mecs qui la protègent, qui la protégeaient. Ah, et puis ça c'est un point de truc bidule. Pas bien où ils sont, c'est là. Ah voilà, ils sont là. Ok.
ça c'est le top. Est-ce que je reste là? Saisissez-le vite! Je le vois plus nulle part! Là-bas! Arrêtez ça! Là-bas! Ne le quittez pas des yeux! Ça suffit! Tellement elle est nulle cette roue, bordel. En espagnol. Très bien. Ah. Cool. Ouais, donc voilà, en fait, le codex, ça augmente notre santé, mais ça, il y a aussi dans l'histoire le codex. Attrapez-le ! On est trop nombreux pour lui. On finira par l'avoir. Ah oui. Arrêtez-le ! Tu ne peux pas marcher à partir de ton peuple. Millions pour rechercher l'unité. Mais en fait, ils veulent tout contrôler. Vos crimes cesseront bientôt. Le peuple se défendra. Les marchés appartiennent au peuple. Millions prétend chercher l'unité. Mais en fait, ils veulent tout contrôler. Vos crimes cesseront bientôt. Le peuple se défendra. Les marchés appartiennent au peuple. Millions prétend chercher l'unité, mais en fait ils veulent tout contrôler. Vos crimes cesseront bientôt. Le peuple se défendra. Les marchés appartiennent au peuple. Millions prétend chercher l'unité, mais en fait ils veulent tout contrôler. Vos crimes cesseront bientôt. Le peuple se défendra. Ça marche. Les marchés appartiennent au peuple. Très bien. Millions. Noyer. Allons-y. Un petit truc. Lol. C'est fou parce que dès que les mecs tombent à l'eau, en fait, tu peux les tuer, donc forcément, c'est. Ok, donc on les ramène là où il faut. Eh, hey, cool. Et ça. Quoi? Ah, oui. Le voilà! Là-bas! Tu l'auras voulu! Viens! Tu vas adorer ça! Bon, je ne fais que passer! Je ne fais que passer! Je vais bien prendre le respect! Ouais. Tu verras! Ouais. Allez, pour bon, Rosby! Je vais bien prendre le respect, moi! Je diffuse aussi. Bon, on va passer en mode stream sans micro pour l'instant. Voilà, puis même on va se mettre le son nous et tout. Par ici, allons-y. Si jamais il y a quelqu'un sur le chat, n'hésitez pas.
Suivez-moi. Tu m'impressionnes. Je ne m'attendais vraiment pas à te voir de si tôt. J'aime me rendre utile. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Antonio. Reviens plus tard. J'ai une autre mission pour toi. Tu peux m'en dire plus? Retrouve-moi sur les quais. Je t'expliquerai. Molto bene. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. D'accord, la voilà la clé. Il suffit de réécrire cette ligne et ça marche. Tiens, voilà. Ce fut un honneur. Addio. Je suis sûr que vous serez satisfait de votre achat. La libération de mes frères n'est pas seulement un soulagement, Ezio. Ceux que tu as sauvés joueront un rôle crucial dans les semaines à venir. Demande-leur de t'aider, et ils te suivront. Et quand j'aurai rassemblé ma troupe de voleurs? Envoie ces voleurs vers un groupe de gardes. Comme ça, ils créeront une diversion. Et j'en profiterai pour passer. Exactement. Je n'aurai donc pas besoin de salir mon épée. Tant mieux. Exactement. Je vais te dire ce que vous allez faire. Le plan d'Antonio repose sur un subterfuge. Nous ferons passer pour ses archers, mais pour y parvenir, il nous faut leurs armures. Elles se trouvent dans des coffres, qui ont été chargées dans des bateaux pour être livrées au palais de la soie. Pille les coffres et récupère les armures. Quand ce sera fait, trouve-moi un bateau et amène-le rapidement jusqu'ici. Nos hommes l'utiliseront pour s'introduire discrètement dans le palais. Tu peux compter sur moi.
Très bien. Allez. On n'a aucune raison d'être ici. Va-t'en. Un misérable assassin est parmi nous. Il sème la terreur. Attendez que je vous mette la main dessus. La peur s'est emparée de notre cité. Vos mains, on va vous les couper. Vous allez recevoir un sacrement cruel. On dit qu'il a assassiné des familles en... Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Très bien, je m'en vais. Votre attention! Les récentes inondations des quartiers qui font face au Lido ont causé de nombreux dommages. La prudence est recommandée aux abords des sites de construction. Veuillez signaler tous dégâts subis par les propriétaires de la ville et soyez courtois avec les ouvriers. Arrêtez-vous, n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Arrêtez-vous.
Arrêtez-le. Restez en position, comme on vous l'a appris. Il est à vous. Pas de risque inutile. Attendez le bon moment, d'accord? Il ne peut pas fuir. Je veux de la discipline. Prenez-le à rebelle et finissons-en. Mais je suis innocent. Je ne dois pas rester là. Vous, essayez de rester ici. Le mois dernier, à lui seul, vous pouvez en battre 300 sabres pour ces chiens. Prenez-le à rebelle et finissons-en. Viens me chercher. Allez, mes frères. Vous, essayez de rester vivant. Allez, vous, les charmouches d'Alba. Empêchez-le de s'enfuir. Tu n'as pas le droit d'aller là-haut. Tu vas te repentir. Il a aucune chance. Oh!
attaquer le père, il n'a aucune chance. De Venise et trouvons ce meurtrier. Essayons de conduire, lui, majesté sous courage. Par la guerre, allez, débordez-le. Si on fait au père, il n'a aucune chance. Abattez-le! Abattez son courage! Une seule loi s'applique aux crapules de son espèce! Si on prend vert, l'homme! Alors, ouvrons la chambre et faisons la carte de mine! D'accord! C'est vous le meilleur! Tous ceux qui ont besoin d'aide. Et d'accord, c'est vous le meilleur. Le trépied, ou plus, nous vous devriez apprendre votre voie de la 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 voie. Ça suffit! J'en ai assez! Un misérable assassin est parmi nous! Hey, qu'est-ce que ça veut gâchez dire? Gâchez! D'accord! C'est vous le meilleur! Touchez pas. Merde. Où est-il? Il est là. Allez-y.
Molto bene, Ezio. Exactement ce qu'il nous fallait. Je vais informer Antonio de tes prouesses. Super. Voilà, c'est mission accomplie. Je pense qu'on va en rester là pour l'épisode 6. Le prochain sera intense. On essaiera de faire pas mal d'histoires. Et puis Venise, là où elle dit aller à fond. Voilà, je vais me caler juste là-haut, tranquille. En tout cas, non, c'est vraiment bien la jouabilité là et tout. Alors. Et d'ailleurs, est-ce que. Ouais. Hop. Non. J'arrive pas, si. Voilà. C'est l'entrée du Grand Canal ici, je pense. Nickel. Eh bien, des bisous et hasta luego.